Pour tenter de retrouver de la complicité avec son tuteur, Nisma accepte qu'Abdel l'accompagne au mariage de sa cousine Lamia avec Nasser. Mais Abdel disparaît au cours de la soirée. Boé, qui est chargé de l'enquête, découvre que l'avocat a été enlevé dans une fourgonnette qui appartient à Nasser. Un témoignage conduit la police à faire des recherches dans un lac. La montre d'Abdel et sa veste tachée de sang y sont alors découvertes. Pour tenter de retrouver son tuteur, Bilal compte, quant à lui, sur Ambre, la jeune Amazone. Après avoir trahi Camille, Kevin ne se sent pas très bien. Il refuse la promotion que Patrick lui propose. Par ailleurs, le jeune homme va devoir affronter la vengeance de Camille, qui veut faire croire à son suicide et écrit une lettre d'adieu en son nom. Quant à Franck et Kalia, ils sont perturbés dans la préparation de leur mariage par Ménard, un chasseur de mariage blanc envoyé par la mairie pour faire son enquête. L'info en plus, Adriana Carambeu débarquera le mercredi 27 octobre au Mistral dans son propre rôle, sauf que le docteur Vidal ne va pas la reconnaître. Un début de quiproquo ?